Good morning, everyone. Guten Morgen. I'm very, very happy to be here at the European Astronaut Center and of the European Space Agency in Cologne, where we're going to spend the next hour together. And before anything, I would like to invite our Director General, Joseph Aschbacher, who is online, to give you some words of greetings. So, Joseph, over to you. So thank you, Philippe, and a very warm welcome also from my side. As you see, I'm participating remotely. I'm sitting in ESA headquarters here in Paris. But this really is a welcome to Thomas after a little more than 48 hours back from the space station. Thomas, welcome at the Cologne Airport was a huge success, and I was quite impressed to see how strong he performed with the media, considering the very few hours of sleep which Thomas had since undocking. He had a very, very busy schedule, but Thomas, being an astronaut, has performed all these tasks if it's very easy to do, and really very impressive. But Thomas, as you also know, your dear friend, astronaut Matthias Maurer, has entered the space station today shortly after midnight, European time. I had the pleasure to welcome him at the space station, him and his three fellow NASA astronauts on behalf of ESA. You may have seen that he was very excited and very happy to start his work in the station. He will, of course, continue some of the experiments on which you have also worked. But your mission, Thomas, Alpha, was a huge success from all perspectives. And let me just mention a few elements. First, scientific. You have participated in a lot of experiments, almost 200. Some of them you have led fully on your own as the main experiments. And this work is, of course, at the core of astronauts being at the space station for the European Space Agency, and extremely well performed all this work on the experiments which have been conducted. Secondly, technical. You have been doing four EVAs. You had a very unique intervention on the solar arrays, very important for the station and keeping it in good shape. Number three, I would mention educational. What you have done is quite impressive to motivate and inspire young people to communicate in your free time to a large extent what you see from out there and what your impression is of our planet Earth from the space station. One of the maybe educational or less educational elements was also launching a single of Coldplay, which I think was also much appreciated by a large part of the community. And fourth, and I really would like to spend a minute on highlighting your political role you have done from the space station. You had several high-level in-flight calls with high-level personalities. The last one was with French President Macron just a couple of days ago. And I have to say, listening to your conversation was a real pleasure. On one side, seeing President Macron very engaged in your discussion and underlining the need to accelerate the use of space for France, for Europe, for our people and our society, and particularly helping to combat climate change, a problem which, of course, is huge, and space can do a lot in order to do that. Of course, your perspective of our planet from the space station viewpoint has been very impressive, reminding all of us that there is an urgency to act and that we need to put space at the service of our people for a green future and to protect our people in case of natural disasters, of climate-induced disasters like forest fires, like storms or the floods which we just had this summer in Europe. So this was really a very important conversation, in my opinion, and very, very important also, in addition to all your other tasks which you fulfill, to also convey these messages at the political level. Once again, you have demonstrated the highest competence, technical and leadership skills throughout your 199 days at the station, including your ISS commandership in the last month. And you have acted as a great ambassador for our planet. Your plea throughout your stay
to act for the protection of our planet urgently was well understood. And thank you for being such a good ambassador for ESA, for our planet, for Europe. And I can only laud all the actions you have done. It was very, very impressive to follow these various interactions. So many thanks again from my side. I wish you a very prompt rehabilitation. Take some rest. I'm sure your management, including myself, will agree that you do need a well-deserved holiday break with your family and your friends. So thank you from my side. Thank you very much, the European Space Agency Director General Joseph Aschbacher. So now let me hand over to David Parker, our director for the exploration, robotic exploration and human exploration. Dave. As the first ESA astronaut to fly to and from the International Space Station on the new generation of US commercial crew vehicles, Thomas has led the way, and in a way that's going to be followed by his colleagues, Matthias Maurer, who just arrived at the station a few hours ago, and Samantha Cristoforetti, who launches in 6 months' time. But these days are very special days when the astronauts return to their home here in Cologne. But you can get the idea that Thomas's mission, Alpha mission, has come at a very exciting time of development in Europe's space exploration program, now named Terra Novae. Terra Novae meaning new worlds and new possibilities of discovery and knowledge. We're truly living in the golden age of using the International Space Station, and particularly our Columbus laboratory aboard the ISS. We are updating Columbus with new communication systems, new scientific instruments, and also new commercial services being operated by European industry. And all of this is happening 400 kilometers above our heads. And it also explains why this year we launched an extraordinarily successful astronaut selection process. We had more than 22,000 applications. It's a record for ESA astronaut process. And in a global first, we've started the Para-Astronaut Feasibility Project to prepare a flight opportunity for an astronaut who just happens to have a physical disability, or we might say a special ability. Now, all of this work is masterminded from here at the European Astronaut Center, EAC, and a network of technical centers all across Europe. Now, for Thomas's mission, I would particularly mention the good work we've done with the MEDESH Center in France, in Toulouse. But the ISS is only one of our three exploration destinations. We're looking forward to the moon, the next place where humans will live and work, and a museum of 4 billion years of solar system history. And this is why ESA is NASA's number one partner for the Artemis program. We are on our way back to the moon. And how will we get to the moon? With Orion, our new NASA ESA human spaceship. Europe is already building 6 European service modules that are providing the power and the propulsion for Orion. And the first one will be launched in just 2 months' time on the Artemis 1 mission from the Cape. This will be a global media event, and I know you will be amazed to see when the SLS rocket rolls out with Orion for the first time in just a few weeks' time. And Orion will fly to the Lunar Gateway, a mini space station around the moon, humanity's most distant research outpost, and a permanent spaceport for a sustained lunar exploration. So again, ESA is leading 2 of the 4 modules for the Gateway, the International Habitation Module and the Esprit Refueling Module. And the latter one is being built by Thales Alenia Space in France. And we've already agreed, therefore, that 3 ESA astronauts will fly on Orion to the Gateway in the next few years. But of course, it is also ESA's ambition to have at least 1 ESA astronaut on the surface of the moon before 2030. And this is a historical opportunity. And it is a proposal that the Director General will put to Europe's space ministers for decision when they meet in France in 1 year from now.
So much for the moon, our second home in the solar system. We don't forget Mars, our long-term goal for human exploration. So as the next step, we're already working with NASA on Mars sample return, the most ambitious campaign of robotic exploration ever attempted. And for this project, Airbus in Toulouse is building the first spacecraft to go to Mars and come back with planetary samples of the red planet, scientific treasure that will be studied for many years into the future. But my final thought, beyond all the technology and science, I insist that we also explore space to inspire all humanity, and especially the next generation, even more important in these difficult times. And it's the passion and commitment of everyone at ESA, and especially here at the EAC, that is propelling Europe into this new era of space exploration. As important as any rocket fuel, this passion and this commitment that has taken Thomas into orbit and returned him safely to us here in Cologne. So, having given you a feeling of what's coming tomorrow, I now want to introduce to you the man of today. I give you Thomas Pesquet. Bonjour, bonjour. Bonjour Thomas. Nous allons passer aussi en français avec peut-être une première question, au moins un premier greeting de Dave. Comment tu te sens? Attends, on va allumer ton micro. Ok, ça va très bien, merci. En très grande forme physique. On a repris déjà le travail dès l'atterrissage de l'avion quasiment, et puis ça va nous emmener encore pendant quelques semaines pour terminer tranquillement la mission. 48 heures que tu es, un peu plus de 48 heures que tu es sur le sol. Tu peux nous expliquer ce que tu as fait depuis ton arrivée? Très rapidement, en fait, on a des prélèvements à faire qui se font dès qu'on touche terre. En fait, l'idée, c'est que les scientifiques veulent avoir accès à nous avant qu'on ait commencé à se réhabituer, à se réadapter à l'environnement terrestre. Donc, ça a été prise de sang, ça a été pas mal de choses comme ça. On a aussi été encadré par une équipe de médecins, évidemment, qui nous ont suivis pendant tout le vol pour s'assurer que tout va bien, en fait, qu'il n'y a aucun problème, qu'on est vraiment en bon état pour reprendre la mission. Et petit à petit, on va se remettre en forme. On a des séances de sport, il faut se remuscler, il faut retrouver son système d'équilibre, des choses comme ça. On va enchaîner avec des débriefings et puis aussi beaucoup de ce qu'on appelle les BDC dans notre jargon, c'est-à-dire la collecte de données sur les expériences scientifiques qu'on a subies, en fait, un peu comme cobaye pendant la mission, avant la mission, après la mission. Isabelle Desenclos qui nous pose une question ici, elle représente rêve d'espace, donc rêve de gosse. Évidemment, plein d'enfants t'ont suivi pendant ta mission. Est-ce que tu peux nous dire, si tu parlais à ces enfants, quelle est la chose que tu retiens le plus sur tes expériences scientifiques? Je pense que c'est la diversité, c'est la variété de ce qu'on fait à bord de la station spatiale. Tous les jours, le travail est différent. On peut travailler sur des expériences de physiologie, de médecine, et le lendemain de physique. Mais je pense que c'est important, c'est qu'on ait toutes ces cordes à nos arcs et qu'on soit aidé par les équipes au sol. Mais moi, ce que j'en retiens vraiment, c'est plus de 200 expériences sur une période de 6 mois. Donc, c'est une mission extrêmement riche scientifiquement, mais avec beaucoup de résultats. Une autre question, quel a été le plus dur d'un point de vue physique là-haut? La plupart du temps, dans la station spatiale, ce n'est pas tellement difficile physiquement. On flotte, en fait, c'est même plutôt facile. C'est plus facile d'évoluer en impesanteur que sur Terre, du moins moi je trouve. Physiquement, ce qui est le plus difficile, c'est les sorties extravéhiculaires, clairement, c'est d'aller se mettre en scaphandre. Le scaphandre qui est un peu une espèce d'armure qui résiste au mouvement, hein, qui nous protège, mais en faisant ça, elle aussi elle limite notre mobilité. Et donc on se bat pendant 6 heures, 6, 7 heures contre cette espèce d'armure que vous voyez là-bas sur la photo. Et donc on en ressort assez fatigué, surtout du haut du corps, et ça, on met quelques jours à s'en remettre. Question de la salle ici. Lisa Adev, journaliste pour BFM TV. À peine rentrée, on s'intéresse forcément aux résultats de ces explorations spatiales et au futur de l'exploration spatiale. Il semblerait que votre prochain objectif soit la Lune. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je pense que oui. Enfin, c'est l'objectif de l'agence, en fait. Aujourd'hui, toutes les agences sont d'accord. Et mine de rien, ça n'arrive pas si souvent que ça. Quand même qu'internationalement, partout dans le monde, on est à peu près le même plan, les mêmes objectifs et les mêmes étapes.
Et donc vraiment l'idée c'est de retourner vers la Lune, mais de manière plus, comme l'a dit Dave, de manière plus durable, en utilisant les ressources in situ pour y établir une présence un peu plus permanente et pour des buts scientifiques en coopération comme on le fait sur l'ISS. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, et ben ce qui est déjà pas mal quand même, ça va nous prendre un peu de temps, une fois qu'on aura fait ça, ben on ira ensuite faire la même chose sur Mars. Ça c'est vraiment la roadmap, la feuille de route de l'exploration. Et puis nous les astronautes européens, c'est pas spécifiquement moi, mais c'est tous ceux qui sont ici dans ce centre et qui travaillent au nom de l'ESA, et ben ont la vocation de jouer leur rôle dans cette exploration-là, que ce soit pour aller mettre le pied sur la Lune. Alors ça évidemment c'est le rêve de tout le monde. Est-ce que tout le monde pourra y aller? Est-ce que tout le monde pourra y aller en même temps? Sans doute pas, mais ça on verra. Mais même si on n'y va pas en présentiel, on va dire de toute façon jouer un rôle dans cette exploration-là, à mon avis, ça va être un peu l'expérience palpitante des années qui viennent. Le que pendant ton retour, tout le monde évidemment était réveillé en plein milieu de la nuit ici en Europe pour regarder la capsule par infrarouge. On voyait le petit point qui se rapprochait. On parle après du splashdown, c'est un moment où tu arrivais à 25 km/h sur la surface de du golfe. Beaucoup s'inquiètent en fait du choc que tu reçois au moment de l'impact et souhaitent que tu compares Soyuz avec Crew Dragon. Oui, c'est alors la rentrée atmosphérique, le principe est le même. Hein. Globalement, ça freine très très dur. C'est un peu ça qu'on ressent. C'est ça les G, enfin, cette accélération de la pesanteur qui est ressentie, où on ressent 4G et demi, c'est à peu près 4 fois et demi notre poids pendant quelques minutes quand même. C'est pas le meilleur moment de la mission, on va dire, surtout physiquement. Mais ensuite, descendre sous parachute, donc c'est très dynamique en fait, ça secoue beaucoup. Quand les parachutes s'ouvrent, faut imaginer, on passe quand même de 28 000 km/h à une descente à 8 mètres/s sous parachute. Parachute, 8 mètres secondes, cette salle, elle fait à peu près, quoi, oui, c'est à peu près ça, peut-être un peu moins, donc on descend à peu près ça par seconde. Et tout ça, ça se passe assez dynamiquement, donc il y a beaucoup de secousses, il y a beaucoup de chocs, ça tangue pas mal. Que ce soit en Soyuz ou en Crew Dragon, ça c'est à peu près la même chose. Moi j'ai eu l'impression, mais c'est très subjectif, que ça freinait un peu plus fort en Crew Dragon, je sais pas. J'ai pas les chiffres encore, mais il faudra regarder un peu en détail. Ensuite, pour ce qui est de l'atterrissage sur le Soyuz, il est assez violent parce qu'il se fait sur le sol, donc en dur, hein, sur la terre ferme, avec des rétrofusées, mais qui ralentissent quand même pas énormément. Moi, je trouve qu'on tape assez fort. Et très souvent, en fait, on va ensuite rouler, la capsule se met à rouler, parce que suffit qu'il y ait un petit peu de vent qui emmène le parachute de travers, et la capsule à l'impact va rouler. Donc ça fait vraiment un petit peu accident de voiture, un crash sur l'autoroute et quelques tonneaux, c'est un peu la sensation. Pour le Crew Dragon, c'est un peu plus doux en fait. On a eu la chance, nous, d'amerrir sur une mer d'huile en fait. Il n'y avait quasiment pas de vagues. Alors, moi, je n'ai pas vu les images, mais c'est ce qu'on nous a dit. Et l'amerrissage était en fait assez soft. Hein. On va taper doucement, ensuite les parachutes s'affaissent, se sont largués, les bateaux étaient là tout de suite. Donc globalement, c'était assez soft. Et tant mieux d'ailleurs, parce qu'après 6 mois en impesanteur, on n'est quand même pas en énorme forme physique. On n'a pas un système d'équilibre qui marche très très bien. Ça se voit d'ailleurs à nos têtes, hein, quand on sort de la capsule, on a quand même physiquement, et on est un peu éprouvé. Mais globalement, on va dire que ça s'est plutôt bien passé et que l'amerrissage était plutôt doux. T'inquiète pas, on t'a accueilli ici sur l'aéroport militaire de Cologne. Tu avais l'air vraiment en forme et en plus, tu as pendant plus de 20 minutes répondu à plein de questions. J'ai encore pratiquement 2 pages de questions, mais on va peut-être aller rapidement. Guillaume Pantier du Petit Journal qui te demande, une fois arrivé à l'Enviad, quel était le petit plaisir que tu t'es octroyé en rentrant sur Terre? Le petit plaisir, je pense que le premier plaisir, c'est la douche, en fait, c'est de prendre une douche. Alors, ce qui a l'air simple, en fait, pour vous qui en prenez tous les jours, enfin, j'espère, mais qui est un peu plus compliqué pour moi, parce qu'en arrivant, évidemment, tout ce qui est mouvement de la tête, en fait, ça rend un peu malade. On a des accélérations parasites, ça nous donne un peu des vertiges, donc on essaie de rester assez stable. Évidemment, des choses vraiment simples pour s'asseoir sur une chaise, se tourner, se baisser pour enlever ses chaussures, mais ça, c'est typiquement le genre de truc qui rend malade. Donc on essaie de faire ça doucement, tranquillement. Aussi, les petits espaces confinés, je ne sais pas s'il y en a certains qui font du bateau, mais quand on fait beaucoup de bateaux et qu'ensuite on rentre au port et qu'on se met dans des toilettes ou dans une douche, on a un peu ce sentiment de vertige et de perdre l'équilibre. Donc ça, c'est un peu la même chose. Donc très doucement, très précautionneusement, et puis assis sur un tabouret, évidemment, parce qu'au début, on n'est pas tellement en forme pour se tenir debout. Mais ça a été un peu la douche. Alors ça, c'est vraiment l'expérience marrante, mais mes collègues me l'avaient dit, mais quand on joue dans la station, enfin quand on a affaire avec de l'eau et des liquides dans la station spatiale, évidemment tout part dans tous les sens, les gouttelettes vont dans tous les sens,
parce que à cause de, bah, évidemment de, des absences de l'effet du poids. Et alors quand on prend la douche, d'avoir ces gouttes et cette eau qui coule dans le même sens où toutes les gouttelettes sont parfaitement parallèles, on a une espèce d'impression surnaturelle, on a l'impression qu'on est dans Matrix parce que vraiment c'est pas un truc auquel on s'attend du tout. Voilà, donc une très longue réponse, mais tout ça pour dire que le premier petit plaisir, c'était la douche chaude, d'avoir la sensation de l'eau qui coule, etc. C'était ça que j'ai fait en premier. Ouais. Une question de Simon Rosé, ici de RFI. Il était là d'ailleurs pour ton arrivée, mais il a dû rentrer. Donc je vais la lire, c'est plus simple. Thomas a abordé à quelques reprises la question du temps long à bord de la station, du mal du pays. Alors comment est-ce que tu fais pour gérer ça au quotidien? Est-ce que ce serait un problème pour les missions longue durée, plus lointaines du genre Mars? Et le programme scientifique quotidien durant le voyage peut être un petit peu moins intense qu'à bord de la station. Et puis, il y a une dernière question que je rajoute puisqu'on y est. Est-ce que, Thomas, tu as laissé Columbus en bon état pour Mathias? Oui, alors on va commencer par la fin. Oui, alors j'ai veillé. Alors, c'est dommage, on avait prévu de se rencontrer. Enfin, on avait prévu, c'était pas notre plan à nous, mais on avait prévu de se rencontrer à bord de la station avec Mathias. Et finalement, bon, les réalités, les contraintes opérationnelles font que ça n'a pas été possible. On ne fait pas toujours ce qu'on veut dans l'espace. Mais j'ai quand même veillé à tout laisser en ordre. Je l'ai briefé d'ailleurs, je l'ai appelé au téléphone. On s'est beaucoup parlé pour ce passage de relais finalement qui se fait en virtuel comme beaucoup de choses aujourd'hui. La preuve encore avec cette conférence. Beaucoup de gens sont connectés de loin. Donc on a essayé de faire ça de manière virtualisée en fait, on va dire, mais quand même assez en profondeur. J'ai pas eu de nouvelles depuis qu'il est arrivé. C'est vrai qu'il vient juste d'arriver pendant la nuit. On a les premières images, donc tant mieux pour lui. Ça m'a fait un petit pincement au cœur de ne pas avoir été là pour l'accueillir, mais c'est comme ça. Et quant au temps long, sur la question sur le temps long et sur les activités à bord, oui, effectivement, la station spatiale, c'est, si on n'a vraiment rien à faire de la journée, c'est un peu une prison avec une très belle vue quand même, hein, et avec quelques petits trucs marrants comme flotter. Mais globalement, on est extrêmement limité dans ce qu'on peut faire, comme dans un sous-marin, comme dans une base polaire, ou tous ces endroits un peu extrêmes qui sont comparables au final. Ce qui nous sauve. Il y a une sélection déjà, je pense, des profils psychologiques des gens qu'on envoie. Évidemment, il faut pouvoir résister à ça. C'est pas surhumain, mais on va dire qu'il y a des gens qui sont quand même plus disposés que d'autres. Et surtout, je pense que ce qui nous sauve, entre guillemets, c'est l'activité, c'est le travail. En fait, tous les jours, on a énormément de travail, de 7h30 du matin à 20h le soir. Et souvent, on s'en rajoute aussi. Moi, je m'en suis beaucoup rajouté, notamment pour les réseaux sociaux. Donc, on est occupé en permanence et le temps passe très, très vite. Ce qui nous sauve aussi, je pense, c'est le contact avec les proches. Hein. On a la chance de pouvoir appeler quasiment n'importe quel numéro sur Terre avec un téléphone sur IP ou une fois par semaine avoir une vidéoconférence avec la famille. Et ça, évidemment, ben, ça fait énormément pour le moral, pour la sensation d'être connecté à la Terre et ce genre de choses qui sont importantes. Pour des missions plus lointaines vers Mars, vers la Lune, vers Mars au-delà, donc il y aura encore plus d'isolation et peut-être, comme le disait Simon, peut-être moins de programmes scientifiques, parce que pendant un voyage sur Mars, on aura des activités scientifiques, mais la science, elle nous attend vraiment à destination. Elle se fait pas vraiment pendant le voyage. Donc, il y aura peut-être un peu moins d'activités, mais on a des études, je pense notamment aux études d'isolation comme Mars 500, ou des choses qu'on fait à l'Agence spatiale européenne, en coopération avec d'autres agences, bah, qui nous permettent d'anticiper un petit peu les problèmes psychologiques ou les solutions qu'on pourrait y apporter. Je pense que la clé, comme je l'ai dit, c'est vraiment que les gens soient occupés en permanence. Quand on est occupé en permanence, on n'a pas trop le temps de penser aux choses qui pourraient nous abîmer un peu le moral, on va dire. Alors, beaucoup de personnes nous ont posé des questions concernant ta santé et surtout ce qui allait se passer avec les fameux prélèvements médicaux, notamment David Fossé de Ciel Espace. Il te demande combien de temps vont durer ces prélèvements post-mission. Et puis, alors il a une question subsidiaire, c'était sur le niveau de radiation autorisé. Est-ce que tu es inquiet sur ce type de radiation sur des missions spatiales longue durée qui pourraient compromettre éventuellement des voyages plus lointains? Je pense que, encore une fois, en commençant à répondre par la fin, je pense que justement ce qu'on fait à bord de l'ISS, c'est de la recherche pour la Terre. Enfin, c'est d'avoir des résultats scientifiques qu'on peut appliquer en médecine, en sciences des matériaux ou des choses comme ça. C'est vraiment un laboratoire. Mais ce qu'on fait aussi, c'est préparer la suite de l'exploration. C'est-à-dire, on regarde notamment ces questions-là de l'humain dans l'espace. Sur le temps long, pour des missions d'encore plus longue durée que ce qu'on fait aujourd'hui dans l'ISS. Et c'est comment contrer les effets négatifs de l'environnement spatial sur l'être humain. Donc on a notamment des études sur les radiations pour voir quelle est vraiment la dose reçue, comment on peut la contrer, comment on peut blinder le véhicule sans trop l'alourdir, quelles sont les solutions. Il y en
on a. Hein. Une des solutions, c'est l'eau. L'eau, c'est une très bonne protection contre les radiations. Donc, si on arrive quelque part à avoir un design où les réserves d'eau servent à la fois de mur de vaisseau spatial, ben, on a gagné. Évidemment, ce n'est pas si facile que ça. L'eau en impesanteur, on en a parlé, ça ne se comporte pas tellement comme sur Terre. Ce n'est pas forcément toujours facile à contrôler. Mais en tout cas, la chose qui est certaine, c'est qu'on y travaille. Après, il y a aussi une question d'acceptance du risque. Hein. Est-ce que comment on quantifie le risque des radiations? Ben, c'est par un pourcentage estimé de chance, enfin, d'augmentation de, en gros, d'avoir des pathologies type cancer. Donc, si on accepte 3%, ben, on peut se dire qu'une mission vers Mars passe pas. Si on accepte 5%, ben, tout de suite, elle passe. Après, moi, si vous me posez la question, est-ce qu'à 3% tu y vas et à 5% tu y vas pas? Ben, évidemment que non, à 5%, 3%, c'est la même chose. Donc, il y a cette question-là qui va se poser aussi à un moment. Et du coup, j'ai fait une très longue réponse, je me rappelle plus du début de ta question. La durée des prélèvements médicaux. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et ben là, on est parti pour 2 semaines intenses à la descente de l'avion. Ensuite, j'ai une semaine. Alors, je devais avoir une semaine de break, mais comme on est rentré un petit peu plus tard, finalement, ça commence déjà plus à ressembler à une semaine. C'est plutôt 1 jour ou 2 ou 3 jours, mais enfin, ça, on verra. Pour me reposer un peu, pour retrouver mes proches et puis ben, régler aussi un peu les affaires de ma vie normale. Je ne sais pas, faire mon contrôle technique ou des choses très matérielles, mais auxquelles finalement j'échappe pas vraiment non plus. Ensuite, encore 1 semaine de retour ici, beaucoup pour des débriefings, 2 semaines à la NASA. Donc, jusqu'à Noël, en gros, on va dire, c'est quasiment à temps plein. Et ensuite, ça va diminuer. Mais doucement, mais ça ne s'arrête pas brutalement en fait. On a coutume de dire qu'une mission de 6 mois, on met 6 mois à s'en remettre à peu près. Donc là, j'ai déjà en 48 heures, j'ai l'impression d'avoir récupéré 80-90% de ce que j'avais avant la mission. Mais pour vraiment aller jusqu'à 100%, il va falloir 6 mois en fait. Donc les activités vont continuer, mais pour l'instant, c'est à 100%, c'est même à 200% de mon temps. Et puis au final, ça va prendre de moins en moins de temps. Et je pense que dans 6 mois après l'atterrissage, en gros, à peu près, cette phase elle sera terminée. Après, il y a aussi des études de long terme sur la santé qui vont demander des prélèvements, retour plus 6 mois, retour plus 1 an, retour plus 18 mois. Donc ça, ce sera ponctuel, mais ça va continuer encore pendant très longtemps. Ce serait marrant que le retard d'une semaine soit compté sur tes vacances. Je te souhaite quand même 1 semaine de congé bientôt. J'ai une question de Boris Allier, France Info, ici, je vais la lire. Les programmes pour développer l'Internet par satellite se multiplient avec toujours plus de satellites en orbite. Alors, certains scientifiques, évidemment, s'inquiètent pour l'observation astronomique, notamment, mais est-ce que tu as constaté depuis l'ISS cette multiplication du nombre de satellites en orbite? Tu regardais beaucoup la Terre, tu regardais aussi beaucoup... les aurores boréales, tu regardais les satellites qui tournaient autour de la Terre? Alors écoute, c'est difficile de voir, depuis la station spatiale, c'est difficile de voir directement des objets qui sont en orbite parce que les vitesses relatives sont très très grandes en fait. Il faut imaginer, c'est vraiment comme 2 balles de fusil qui se croisent, qui sont chacune tirées à des centaines de kilomètres de distance. Donc pour vraiment arriver depuis une balle de fusil, à percevoir l'autre, c'est quand même un peu compliqué. Après, par contre, ce que j'ai vu vraiment, et ça s'est vu sur des timelapses, je prenais beaucoup de photos en timelapse. En fait, on laisse un appareil photo tourner, on prend 1600 photos depuis un hublot. Ensuite, ces photos, on les joue comme une vidéo, un peu en accéléré. Ça, je l'ai fait pas mal de fois parce que c'est assez facile à faire. Et sur ces timelapses, quand ils sont de nuit, on voit beaucoup de petits traits qui passent. Hein. Alors, je ne l'avais pas remarqué pendant ma première. Alors, les petits traits, évidemment, c'est des objets qui sont dans le ciel, la plupart du temps, qui sont artificiels. Et qui sont éclairés par le soleil ou qui ont leur propre lumière. Et je ne l'avais pas vraiment remarqué pendant ma première mission, mais après, évidemment, il faut des conclusions scientifiques. Tu sais, moi j'ai mon avis, c'est comme sur les photos de la Terre, moi j'ai mon avis qui est au final assez humain, qui est peut-être un peu biaisé, et puis surtout qui est ponctuel, qui est un point de données. Il faut conclure scientifiquement, il en faut des centaines, des milliers, de manière répétitive, de manière cohérente. Et ça, c'est ce qu'on fait avec les programmes de satellites, d'observation de la Terre ou autre. Heureusement, à l'agence, on a les deux. Et c'est ça qui, à mon avis, fait que la vision est correcte. Pierre Célérier de l'AFP qui demande quel est l'enseignement que tu as tiré de ton expérience de commandant de bord de la station. Par exemple, en faisant allusion à deux événements, le premier, c'est quand il y a eu une brève perte d'altitude de la station et le tournage du film. Oui, ben deux événements très précis. En fait, ce qui au final, très bonne question, parce que ça regroupe vraiment, je pense, les deux aspects du boulot de commandant de la station. Quand tout se passe bien, en fait, dans la journée normale, quand on travaille de manière nominale,
Ben, en fait, on est juste là pour mettre un peu d'huile dans les rouages. On, c'est un peu capitaine de l'équipe de foot. Donc, ben, on essaie de donner l'exemple par le boulot qu'on fournit, etc. Mais tout le monde est professionnel dans la station spatiale. C'est pas comme s'il fallait faire la police non plus. C'est pas le CE2, on s'en doute. Mais c'est vraiment ce côté un peu veiller à ce que tout se passe bien. Et là, typiquement, le tournage de films russes, donc pour ceux qui n'ont pas forcément suivi en détail, on a un équipage russe qui était composé d'un cosmonaute professionnel et d'une actrice et un réalisateur qui sont restés 10 jours à bord de la station pour tourner des scènes d'un film qui se passera dans l'espace. Et donc ça, pour nous, c'était un peu nouveau, un peu inattendu. Dans notre monde où tout le monde est très entraîné, on met 10 ans d'entraînement avant d'aller dans la station spatiale, les gens sont extrêmement motivés, etc. Eux, ils ont eu même pas une petite année d'entraînement, puis c'est pas des professionnels en fait, donc on savait pas tellement à quoi s'attendre. Est-ce que ça allait gêner notre travail? Évidemment, c'était pas l'idée. Est-ce que il allait falloir aménager un peu les susceptibilités ou des objectifs divergents, on va dire? Au final, ça s'est très bien passé parce que ça avait été pas mal encadré au sol, et puis on a été très très clair en arrivant. On a toujours un briefing pour les nouveaux arrivants qui était de ma responsabilité, et on essayait de se mettre d'accord gentiment mais assez fermement sur les règles et ce qu'on pouvait faire et pas faire. Et puis il se trouve qu'ils ont été très très bien et que ça est très pro et que ça s'est extrêmement bien passé. L'autre exemple est le revers de la médaille, enfin pas le revers de la médaille, mais l'autre aspect du rôle de commandant de bord, c'est justement dans les situations d'urgence. Alors là, c'est un peu un style de leadership un peu plus autoritaire, parce que c'est comme dans un avion ou sur un navire, il faut qu'il y ait qu'une seule personne qui ait la décision. Parce qu'évidemment, il faut réagir vite, l'appareil est en danger, la mission est en danger, donc on n'a pas le temps de tergiverser. Et là, clairement, c'est le commandant de bord qui dit on va faire ça, ou plutôt que ça. Et ça, on a eu presque la chance, on veut dire que ça nous arrive, parce que c'est aussi une expérience qui est enrichissante. On a perdu le contrôle d'orientation de la station, il a fallu répondre de manière rapide ce à quoi on s'entraîne, mais évidemment, le faire en vrai avec la station qui tourne dans le ciel. C'est pas la même limonade, on va dire. Mais encore une fois, ça s'est bien passé parce qu'on est encadré, on a des procédures, on n'a pas perdu la communication avec le centre de contrôle au sol, ce qui est quand même idéal dans ces cas-là, parce qu'on peut faire les choses en concertation avec eux. Et puis au final, on a réparti les rôles, enfin c'était un peu mon boulot de répartir les rôles, que tout se fasse en bonne intelligence, et puis on a récupéré l'orientation assez rapidement. Donc c'est bien, j'ai eu l'expérience complète et j'ai beaucoup appris, on va dire. Justement, Maxime Inguet de Ouest France demande quels sont les domaines dans lesquels tu as l'impression d'avoir progressé le plus. Là, ton patron, Joseph Ajvarer, tu disais tout à l'heure, ah, il a fait des progrès, c'est devenu un de nos plus qualifiés d'un point de vue technique, scientifique, social, etc. Toi, tu le sens comment, ton progrès lors de ce deuxième vol? Je pense que techniquement, alors on était, j'ai envie de dire, pas très modeste, mais je pense dès la première mission, on est quand même au point avec 10 ans d'entraînement. On connaît quand même extrêmement bien les choses. À la limite, la deuxième fois, peut-être, on se repose un peu plus sur l'expérience et on lit un peu moins les manuels, tu sais, alors que la première fois, on connaît vraiment les manuels par cœur. Donc, il y a quand même beaucoup d'expertise technique. Peut-être deux différences la deuxième fois. Je pense sur les sorties extravéhiculaires. J'ai eu la chance d'en faire 4 pendant cette mission-là. Et notamment en tant que, enfin, ce qu'on appelle EV1, donc le leader des 2 qui sortent pendant 3 de ces sorties-là. Et donc ça m'a donné vraiment l'expérience de manager un peu une sortie extravéhiculaire depuis le début, non pas seulement comme simple exécutant, mais quelque chose d'un peu plus impliqué en tant que leader quelque part. Donc ça me donne une expérience dans ce cadre-là qui est quand même assez riche, et j'espère pouvoir ensuite contribuer dans les différents projets de l'agence spatiale ou de la NASA. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est, ben, comme on en parlait à l'instant, c'est vraiment le côté leadership, le côté avec ce qui est venu avec ce rôle de commandant de bord et aussi ce rôle de leader en sortie extravéhiculaire, qui est que, ben, voilà, c'est, mine de rien, c'est presque la même activité, mais quand on en a la responsabilité, quand on est là pour la faire marcher et pas juste pour suivre la procédure et appuyer sur le bouton au moment où on a besoin de le faire, c'est pas tout à fait la même perspective et ça demande beaucoup plus de boulot périphérique, on va dire. Donc voilà, ce côté sur le leadership, je pense que ça a été vraiment différent de la première mission, où j'étais le plus jeune. Enfin, j'étais encore le plus jeune dans la deuxième, mais j'avais pas les rôles qui correspondaient, on va dire, à cet âge. Et puis les sorties extravéhiculaires, où maintenant je suis le plus expérimenté en dehors des Russes et des Américains. Donc ça me donne quand même une nouvelle corde à mon arc. En tout cas, tu as ton patron, David Exploration, juste à côté de toi. Il y a une question ici de David Fossé de Ciel Espace.
qui est un petit peu un choix entre le fromage ou dessert, si on peut dire, terminer un peu de manière plus légère. La question, c'est si tu avais à choisir, est-ce que tu préfères être le premier Européen sur la Gateway avant 2030 ou le premier sur la Lune en 2030? Mais alors, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas le choix. Hein. C'est Dave qui va choisir. Enfin, c'est Dave qui va choisir. Je ne sais pas qui va choisir. Je me tourne vers Dave. On verra. Non, il y aura une séquence. Ce sera pas du... Tout ce qu'on va faire, ça va s'inscrire dans un plan, en fait. Ce ne sera pas du one-shot où on va dire, ah, c'est bon, on a mis quelqu'un sur la gateway. On a atteint notre but. Ce n'est pas ça ce qu'on essaie de faire. Je pense à l'agence, c'est vraiment d'avoir une présence permanente, d'avoir quelque chose de logique, de long terme qui va nous amener quelque chose. Donc il y aura un plan avec une séquence qui sera ce qu'elle sera. Je pense que si on demande l'avis à tout le monde, je pense qu'aller se poser le pied sur la Lune, c'est quand même ce qu'il y a de plus excitant. Évidemment, les gens l'ont déjà fait il y a quelques années ou il y a quelques décennies, mais quand même, il n'y a pas eu d'Européens. Et là, ce sera, à mon avis, dans une démarche très différente. Donc ça pourrait être quand même une grande aventure, surtout qu'ensuite, là maintenant, on le conçoit comme aussi une préparation pour aller vers Mars. Donc si on me donnait le choix à moi, ce qui n'est pas le cas, je tiens à le répéter une fois de plus, moi je choisirais d'aller poser le pied sur la surface, mais je pense que quasiment tout le monde aurait le même choix. Jean-Christophe Batteria de France Télévisions qui demande quel est le rôle que tu vas jouer dans la sélection des futurs astronautes de l'ESA. En tout cas, il y en a un que tu as déjà assumé, c'est celui de ce qu'on appelle le Pesquet Effect. Avec 4000 candidats, pratiquement autant de candidats français qu'il y avait sur l'ensemble des candidats sur la précédente sélection. Quel est ce rôle que tu vas jouer? Et puis une deuxième question ici, quelles sont les qualités requises pour cette future classe d'astronautes? Ouais, je suis content que tu parles cette question vienne sur la sélection d'astronautes parce que c'est important en fait d'assurer le renouvellement du corps des astronautes, encore une fois, dans une optique long terme d'exploration. On va avoir beaucoup de choses à faire dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent. Il ne faut pas perdre, il faut pas embaucher la nouvelle génération d'astronautes quand celle d'avant est déjà partie ou quand celle d'avant s'est déjà tournée vers d'autres emplois au sein de l'agence ou ailleurs. Il faut vraiment qu'on arrive à faire cette transmission d'expérience, qui n'est pas toujours facile. Mais donc je pense que le timing est bien, il ne faut pas attendre 10 ans entre des... Enfin 10 ans ça va, mais 15 ans, 20 ans entre des sélections d'astronautes, c'est trop. Donc là on est dans le bon timing, c'est très bien. Je pense que je suis content que tu parles de l'inspiration aussi, parce que mine de rien, c'est quand même énormément de travail hein, de faire tout ça en plus de la journée scientifique et technique. Donc que ça inspire les gens, que ça les fasse rêver au point qu'ils s'inscrivent à une sélection d'astronautes, moi ça me touche énormément. Et que bon, ça a bien marché dans les pays francophones, tant mieux, mais dans les autres pays ailleurs aussi, j'ai l'impression. Donc on a une nouvelle génération qui se prépare. J'ai été impliqué dans la sélection un peu en amont, hein, avec Dave, avec d'autres ici, au Centre des astronautes, pour préparer un peu les conditions, pour préparer la manière dont ça va se passer, pour organiser tout ça. Ensuite, bah, évidemment, à cause de l'entraînement et de ma mission, j'ai été obligé de laisser ma place à quelqu'un d'autre, mais ça s'est très bien passé ici au Centre des astronautes. Maintenant que je suis de retour, bah, écoute, j'espère que j'aurai l'occasion, peut-être, je ne sais pas, de participer aux entretiens ou de pouvoir un peu, je ne vais pas donner mon avis, mais c'est important qu'il y ait des astronautes aussi, je pense, qui soient impliqués dans cette sélection pour pouvoir dire, bah, moi je partirai 6 mois sur Mars avec cette personne, mais je ne partirai pas 6 mois sur Mars avec cette personne, mine de rien, c'est quand même important. C'est pas un concours de popularité, une sélection d'astronautes, il ne suffit pas d'être gentil, mais quelque part, c'est ce qu'on appelle les soft skills, enfin la patience, la communication, toutes ces choses-là, c'est ça qui compte au jour le jour dans la station. On a toujours énormément d'aide depuis le centre de contrôle, donc s'il y a un truc qu'on ne comprend pas, au final, c'est pas très grave. Par contre, tout ce qui est attitude, et notamment travailler en groupe, ça, c'est super important, parce que bah, sur une mission de 6 mois, ça peut avoir des conséquences, sur une mission de 9, 12, 18 mois, évidemment, en plus. On va reprendre une question dans la salle, je crois que c'est BFM. Tout à fait, toujours Lisa Def pour BFM TV. Vous parlez du fait que vous inspirez beaucoup de personnes, vous avez parlé aussi des réseaux sociaux, vous avez fait le lien entre l'espace et la Terre. Qu'est-ce que ça fait de revenir sur Terre et d'être un peu le nouveau super-héros? Vous inspirez les enfants, vous inspirez beaucoup de gens. Ouais, je ne sais pas, alors je ne suis pas le premier à le faire, évidemment, hein, dans le monde francophone. C'est vrai qu'il n'y en avait pas eu beaucoup, mais dans le monde anglophone, il y a pas mal de gens qui l'ont fait avant moi. Là, il se trouve que, je ne sais pas, ça a bien marché dans le sens où les gens sont intéressés, tant mieux. Moi, ça me fait plaisir, parce que quand j'étais petit ou quand ces sujets-là me faisaient rêver, ben, j'aurais bien aimé qu'on puisse suivre le quotidien
les astronautes à bord de la station spatiale. Qu'est-ce que ça Oui, après, c'est sûr que ça change un petit peu la vie d'une manière que je n'avais pas tellement anticipé, dans le sens où maintenant, quand je vais faire mes courses chez Leclerc, les gens me reconnaissent et me disent « Mais vous faites vos courses chez Leclerc ?» Je dis bah, « Oui, évidemment, enfin, comme tout le monde. » En fait, ma vie n'a pas changé, mais la perception des gens a changé. Maintenant, les gens me mettent dans une catégorie un peu bizarre. Et du coup, parfois, ça crée des situations un peu cocasses. Et puis, ça crée aussi pas mal de demandes si... Pour moi, enfin, évidemment, il y a plein de bonnes actions, il y a plein de bonnes causes, il y a énormément de choses à faire dans un temps très limité, et puis surtout en complément d'activités très techniques qui sont mon quotidien. Donc, on va dire que ça me complique un peu la vie, mais je ne les changerai pour rien au monde, parce que je pense que l'effet, il est super positif. En fait. Si ça peut donner envie aux gens de se lancer dans les carrières scientifiques, de penser que la coopération européenne, c'est une bonne chose, d'étudier les langues, si ça peut intéresser les petites filles à se lancer dans les carrières scientifiques, et ben c'est évidemment extrêmement positif. Donc c'est ça que j'en retiens. Moi, j'ai essayé de continuer ce rôle-là du mieux que je peux. Encore une fois, je suis largement pas le seul au sein de l'ESA à le faire. Je suis le plus visible en France, c'est sûr. Mais oui, on va essayer de continuer ça. Et puis... d'articuler ça en bonne intelligence, on va dire, avec mon vrai métier, quelque part, qui est un métier très technique. Stéphanie, le long de l'actu, mon quotidien, petit quotidien, puisqu'on est dans les rêves, il y a un jeune lecteur qui demande, est-ce que vous faites toujours les mêmes rêves à bord de l'ISS ? Alors, moi, je déçois toujours les gens hein, quand je réponds à cette question, parce que je rêve très peu, en fait. J'ai des nuits très noires, je suis plutôt off pendant quelques heures et ensuite je me réveille, donc j'ai vraiment un sommeil de plomb, on va dire. Mais les rares fois où j'ai rêvé, ça m'est arrivé de rêver, cette fois-ci j'ai prêté un peu plus attention à bord de la station, et vraiment, on rêve en apesanteur en fait. Les rêves sont toujours des scénarios un peu bizarres, mais ça se passait au moins avec les règles de l'environnement physique dans lequel je me trouvais, c'est-à-dire que c'était des choses qui se passaient en flottant, etc. Depuis que je suis rentré à 48 heures, je n'ai pas tellement eu le temps de rêver, surtout que j'avais un peu de sommeil en retard. Mais je ne sais pas, je pense que peut-être il va y avoir encore quelques rêves en apesanteur. Ensuite, ça va reprendre un environnement un peu plus normal. On va aller vérifier sur les données de Dreams, peut-être. On a vu une expérience sur le sommeil, ouais, d'ailleurs, donc je n'ai pas vu les résultats, mais ça sera intéressant. Ok, j'ai Antoine Meunier de la Chronique Spatiale. Alors, je vais peut-être passer la parole d'abord. D'abord à toi et puis à Dave, puisque ça concerne le programme des para-astronautes. Et les conditions de vol seront-elles identiques sur les 6 mois de vol? D'abord, peut-être ton opinion sur cette question, et puis Dave, un complément. Oui, je pense qu'effectivement, je n'ai pas suivi les dernières étapes de la sélection, mais je sais qu'on l'a inclus, enfin, on l'a ouverte pour inclure des personnes avec des handicaps, ou du moins qui ne soient pas l'avenue traditionnelle pour avoir accès à ce métier d'astronaute. Je pense que c'est bien, évidemment, il faut être inclusif et ça a une valeur symbolique qui est assez forte. Ensuite, évidemment, il va y avoir du travail pour qu'on puisse adapter la manière dont on fait les vols spatiaux aujourd'hui, qui ont toujours été conçus depuis le début pour des gens qui sont en extrême bonne forme physique, vu que c'est comme ça que la sélection se fait. Mais justement, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui se fait à tous les niveaux de la société. On parlait d'inspiration, je pense que c'est encore une fois un bon exemple et qui il va falloir suivre ça de près, mais en tout cas, ça va être un projet dont une partie va se jouer ici au Centre des astronautes dans les années prochaines, dans les années qui viennent, et ça va être passionnant à suivre. Je ne sais pas si Dave a des... Ok. Une autre question complètement différente, puisque on reparle de la Lune, c'est ce qui intéresse énormément. Est-ce que tu auras la possibilité d'apporter ton expertise auprès des industriels qui seront en charge des constructions de modules? Donc, est-ce que tu auras un rôle actif dans les mois qui viennent sur la construction de Gateway? Alors, est-ce que moi, à titre personnel, je ne sais pas. En fait, je discutais avec mon autre chef, qui est Franck Devine, ici au Centre des astronautes. Il faut retrouver un rôle une fois qu'on revient et que cette période de 6 mois s'est passée. On retrouve un rôle technique, opérationnel au sein des équipes du Centre des astronautes. Donc, on verra ce que ce sera. Je n'ai pas encore la réponse à ça. Mais je sais que ça se fera de toute manière, même si ce n'est pas moi, parce que moi, j'ai la chance de partager un bureau avec ma collègue Samantha Cristoforetti, qui sera la prochaine européenne à voler après Mathias, et dont le rôle, avant d'être désigné sur cette mission, c'était justement d'être ce qu'on appelle le crew rep, donc le représentant du crew, des équipages, au sein des équipes de développement. Donc c'est vertueux, je pense, d'impliquer les utilisateurs dès les premières étapes de développement, parce que comme ça, on évite de se mettre dans des sens uniques ou dans des situations qui seraient difficiles à rattraper en termes de design. Et donc, Samantha, 99% de son travail, c'était vraiment de participer à la conception de la Gateway,
pas en tant qu'ingénieur vraiment, même si elle a un background d'ingénieur évidemment, les compétences qui vont avec, mais en tant qu'utilisateur, qu'équipage, basé sur l'expérience de son premier vol à bord de la station. Donc c'est quelque chose qui se fait, c'est quelque chose encore une fois qui est hyper positif et qui se fera de plus en plus à l'avenir. Je ne sais pas si ce sera moi en particulier, mais un représentant du Centre des astronautes, oui, c'est certain. Alors une question de Simon de RFI, et une chose que l'on ressent énormément, c'est cette ambiance qu'il y a à bord. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de la coopération internationale, vue de l'ambiance et de l'amitié qui est créée là-haut? Je pense que ça joue à plein de niveaux, effectivement. On se connaît bien quand même quand on part dans la station. On s'est entraîné pendant plus d'un an ensemble. Alors malheureusement de pandémie, on a moins l'occasion socialement de passer du temps ensemble. Mais moi, j'avais la chance de connaître quelques-uns des membres d'équipage de cette mission, de ma mission précédente, hein, Shane Kimbrough, Oleg Novitsky, c'est des gens avec qui j'avais déjà volé, avec qui j'avais déjà passé 6 mois dans l'espace, donc on se connaît par cœur, enfin, c'est mes frères, hein, on a vraiment cette relation. Ensuite, ce qui se passe, c'est que les gens, je pense encore une fois, les gens sont sélectionnés pour être faciles à vivre, on va dire pas que faciles à vivre, mais pour être pas des gens qui soient abrasifs, pas des gens qui soient difficiles, pas des gens qui soient... Donc, c'est des gens qui ont une opinion, évidemment, mais c'est des gens qui savent s'adapter, qui savent travailler en équipe. Ça rend les choses plus faciles. Et puis, je pense que plus on se confronte à des choses spéciales ou qui sortent de l'ordinaire avec des gens, plus ça crée des liens forts, en fait. Et c'est pour ça qu'on a tous nos amis, je pense, quand on a 20 ans, parce qu'à 20 ans, il se passe plein de choses, et c'est là qu'on crée des liens d'amitié, parce qu'on vit des choses ensemble. Ben là, c'est un peu pareil, en fait. On vit des choses tellement fortes qu'on devient vraiment une famille, hein, à bord de la station spatiale. Au bout d'un moment, enfin, faut voir qu'on prend quand même tous les jours le petit déjeuner ensemble, le repas du midi, le repas du soir, on se voit le matin au réveil avec les cheveux comme ça et mal rasés, etc. Donc c'est vraiment une famille, ça devient une petite famille spatiale. Et on a ce genre de rapport. Et c'est vrai que maintenant, la limite, il me manque presque parce qu'on s'est tellement habitué. On s'envoie des textos. Alors ça va, qu'est-ce qui se passe et tout. Oui, j'ai perdu mon truc. Est-ce qu'il est dans ton sac? Non, il n'est pas dans mon sac. Enfin, on s'est texté comme ça ce matin. Et je pense qu'on a déjà hâte de se revoir et qu'on va rester amis pour la vie. Mais parce que les moments sont tellement exceptionnels qu'au final, ça crée des liens qui sont tout autant exceptionnels. Let's ask the question in English here from the RTBF. Corentin Laurent here, you've seen day by day, it was on your free time, of course, you were looking through the cupola window, the planet Earth, and you participate in COP26. You had some statement and exchange on climate change and impact of climate change on Earth. Did you see the difference between the two flights? As a matter of fact, what I like to say on the topic is also that there's really two aspects to it. There's the very human look that we put on the Earth from the space station, which is I see something nice or beautiful, or I see something ugly or something worrying, and then I'm going to take my camera and take a picture of it. And that's one way to look, a very human way to look at everything. But on the other side, what we do, and I think what's our strength in the agencies like ESA, we also have a very scientific eye, a very scientific vision with Earth observation satellites that are gathering the data that you need to conclude scientifically. And I think those two things really go together, but you need both to really get to the goal that you have of raising awareness and fighting climate change. So the difference that we saw, you still see the pollution, the sea pollution, the river pollution, the air pollution, the cuts in the Amazonian forests, all the negative consequences of human activity in general. I saw that last time, I still see it this time. What I saw much more this time is all the extreme weather events, thunderstorms, fires. We had unbelievable, like, sites of entire regions, entire states in the US, entire countries covered in smoke and ashes. That was actually really painful to watch. We could see sometimes the flames with the naked eye from the space station. We saw that. We saw the train of thunderstorm in the South Atlantic Ocean. Like, one was making landfall and creating some destructions on its path. And then the next one was already brewing in the Atlantic Ocean. So I think it is clear now that both in frequency and in intensity, those extreme climate events
weather events are linked to climate change, and we could see that directly. And that was a big difference from my first mission. For Lucas Tarascon from Agencia EFE, you spoke about your skill set and soft skills that you develop and are needed in the space station, in particular when you have responsibilities like command. Are there any special pressure moment in space station that you need to manage? Not saying to conflict, but tension that you need to manage? I think there might be. I mean, again, it's a human environment. You put 7, 10, 11 people in there for an extended period of time, different cultures. You know, Russians, Americans, Europeans, even us within Europe, we don't all do the same things the same way. So there's, I wouldn't say tension, but sometimes people would like to do things differently. And I think that's why you need a clear chain of command. I think we all have, like I said, we're trained, we're selected, we know how to express ourselves and you know, voice our opinions in a non-conflictual kind of way. But at some point, when somebody has to make a call, it's going to be the commander on board the ISS, going to be the flight director in the mission control center, because a lot of the leadership also happens on the ground. So I don't recall from my time as a commander real conflict. I mean, sometimes, like I said, people want to, or there's different opinions and you have to make a choice, but I think people are educated enough so that it always goes well. I mean, in my experience with my crew, maybe I was blessed, maybe I was lucky, but with my crew, it always went well. You explained a bit earlier that your first real pleasure when you landed here was to take a shower. You explained that very well, you know, and the emotion you get through that for a long time. Can you tell us here what would be the thing you're looking for the most in the coming days? I think a real full night's sleep without a blood draw at 6 a.m. or a saliva sample in the middle of the night, or that would be nice. I know it's going to happen at some point, not just now. And I think, in a way, I mean, it's the freedom to just do what I want to do, which is something. I mean, when you think of it, during the 6 months mission, you're on the schedule, you have tasks, and it's run by the ground like it should be. So you don't get to choose much of what you do. And then during training, when you think of it, it's actually pretty much the same. You're expected for 2 hours here in the morning and then for 3 hours there in the afternoon, and you have stuff to learn and then an exam and tasks to perform, and then you go to the gym and you have to run. And now for the post-flight period, it's pretty much the same with all those tests and rehabilitation process that we were talking about before. So at some point, I think I've lost right now, lost the ability to take decisions for myself, not really to take decisions, but to experience that freedom. And I'm kind of looking forward to having a whole week with nothing on the schedule, which hasn't happened to me in years, hasn't happened to many of us, I guess, probably hasn't happened to Dave for quite some time. But just being able to manage my own time in the way that I want and maybe do nothing for 2 hours, that sounds like a really nice experience. Faudra qu'on t'enlève ton portable, parce que je présume que tes textos, les SMS sont dessus, sont empilés. Tu n'as pas pu lire tes SMS pendant que tu étais là. Alors j'ai récupéré mon téléphone qui effectivement avait pas mal de notifications. Je ne me suis pas encore lancé là-dedans. C'est un projet en soi, je pense. Mais ça aussi, c'est pour en dire deux mots, c'est une différence pendant le vol dans la station spatiale. En fait, tout est assez clair. Toutes les priorités sont très claires. Les canaux de communication sont très limités, sont très clairs. Tout le monde a les mêmes objectifs. En fait, il y a une espèce de simplicité, simplicité dans la complexité, on va dire, parce que c'est quand même un environnement hyper complexe, mais il y a une simplicité des buts, une simplicité de, je ne sais pas comment dire, une clarté de ce pourquoi on est là, qui est au final très, très agréable. Moi, je trouve, quand on revient sur Terre, tout de suite, c'est un peu plus compliqué. Je parlais tout à l'heure du contrôle technique, c'est un exemple un peu bête, mais il va y avoir plein de choses à faire, des sollicitations à droite, à gauche, le téléphone qui sonne, retrouver les gens, etc. Donc, tout ça devient plus diffus, plus compliqué. Il va falloir s'orienter. Mine de rien, ce n'est pas si facile de retourner dans la vie normale une fois qu'on a passé 6 mois dans la station spatiale. Je me rappelle, ça ne me l'a pas fait cette fois-ci, mais je me rappelle pendant ma mission précédente, m'être retrouvé 3 jours après l'atterrissage dans un embouteillage ici à Cologne.
C'était une expérience complètement fantasmagorique pour moi. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là dans une voiture avec 3000 autres mecs dans leur voiture aussi? Il y a 2 jours, j'étais dans une station spatiale. Et donc, il y a vraiment des petits moments comme ça, mais qu'il va falloir se, il va falloir se réhabituer. Et puis voilà, reprendre une vie normale. En tout cas, le responsable de ton agenda ici me dit qu'à 11h10, il faut terminer pile poil parce que tu as des examens à faire. En tout cas, on va te remercier vivement d'avoir pris toutes ces questions, ce temps pour répondre à la plupart de ces questions qui sont envoyées depuis l'Internet. On te retrouvera le plus vite possible, mais prends bien soin de toi, repose-toi, prends du plaisir. Et puis un grand merci encore d'avoir cette participation. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis ici et en ligne depuis chez eux. Ceci termine notre conférence de presse pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. Merci Philippe, merci à tous. Merci.